dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Ils disaient ça, ce qu'ils verront. J'entendais beaucoup de choses sur lui, du genre, il est né sur le bateau et depuis il y est resté, toujours. 27 ans sans mettre le pied à terre, jamais. Il est né la première année de ce putain de nouveau siècle, on va l'appeler 1900. Tu l'auras voulu, pianiste de merde. Et là, il s'est mis à jouer. Vecchetto, Vecchetto, hey, oh, oh, s'il te plaît, que tes notes normales. Alors parfois, ça allait si mal que je fermais les yeux et je retournais là-bas avec les troisièmes classes, écouter les migrants chanter l'opéra et cette musique jouée par Novicento. Sa main, sa tête et l'océan autour. J'y retournais avec les souvenirs, avec l'imagination. C'est tout ce qu'il te reste parfois pour sauver ta peau. Quand t'as plus rien d'autre. C'est un truc de pauvre. Mais ça marche toujours. Pourquoi tu descends pas? Eh, une fois. Rien qu'une fois. Pourquoi tu vas pas voir le monde de tes propres yeux? Au lieu de rester là sur cette prison flottante. Eh, une fois. Tu pourrais te retrouver sur le pont neuf à regarder les péniches, ce que tu veux. Tu sais, Novecento, tu joues comme un dieu, hein. Les gens seraient dingues de toi, tu pourrais te faire un paquet de fric. Tu t'achèterais la plus belle maison qui soit. Tu pourrais même la faire en forme de bateau, pourquoi pas. Et puis tu la mettrais où tu veux. Sur Bertram Street. Ou au milieu des tigres. Qu'est-ce que ça peut faire? Eh, une fois. Novecento. Non, Vecchetto. Tu vas pas continuer à traverser le monde comme ça, dans les deux sens, comme un con. Eh oh, t'es pas con, Novecento. Et le monde, il est grand, et il t'attend. Il y a juste cette petite passerelle à descendre. Hein, c'est quelques marches de rien du tout. Et au bout, il y a tout. Alors pourquoi tu descends pas, Novecento? Pourquoi? 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 Pourquoi?